C'est la rentrée, ça y est, on y est, il fait très beau. Donc on en profite parce qu'en fin de semaine, il va faire moins beau. Mais là, nous sommes mercredi, je suis en train de vous faire la vidéo. Ma petite coiffeuse est venue à domicile et je suis ravie, Magali et vous, parce qu'elle coiffe bien, elle me fait des petits trucs sympas, la couleur est toujours très jolie et c'est nettement moins cher que chez les coiffeurs et j'ai plus ce que je veux. Donc là, on a essayé autre chose, c'est sympa. C'est parti, maintenant il ne me manque plus qu'à maquiller mon visage. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Mais je vous retrouve en fin de semaine pour un maquillage. Le teint est moins bronzé, on commence à débronzer un petit peu, même si on garde un petit peu de couleur. C'est une étape un petit peu compliquée. Je vous ferai une vidéo sur les soins, effectivement, et sur ce qu'il faut faire pour accélérer un petit peu et redonner une meilleure mine, parce qu'on a tendance à faire un peu jaune, quelquefois, quand on a été au soleil. Voilà. En tout cas, pour moi, ma couleur est faite de la rentrée, mes cheveux sont propres. J'ai pris une douche, donc je suis impeccable pour venir vous parler. Évidemment, j'ai fait mes soins et j'ai mis un tout petit peu de fond de teint. Parce que mon teint devient moins uniforme, donc j'ai pris quelque chose de léger, j'ai pris le Backstage de Dior, et c'est le 3W, ça aurait pu être un tout petit peu plus doré, mais allez, 3W, c'est un doré, le 3 c'est un ton un petit peu moyen. J'ai pris, parce qu'il faut quand même que je le termine, ça fait déjà pas mal d'années que je l'ai. Donc là, en ce moment, je suis sur le Sisley. Je vous mets tous les numéros et les liens dans la barre d'infos. C'est vrai qu'au début, je ne l'aimais pas. C'est le 3 aussi. Il est bien. Il coûte un bras. Hein. Donc, il y a certainement aussi bien à moins cher. Mais quand même, on ne peut pas dire. Il est excellent et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'en ai mis un petit peu. Donc pour le teint, oui, je voulais vous en parler aussi. Vous savez, à un moment, c'est vrai que je les trouve très jolis, les fonds de teint Gressa. Je les aime beaucoup, ils font un joli teint. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sentent mauvais? Mais qu'est-ce que ça sent le rance? Ça sent vraiment mauvais. Donc non, non, je les rachèterai pas, ils sont chers. Mais ils ne tiennent pas longtemps, donc directo poubelle, parce que là, franchement, c'est pas possible. Et il y a un autre fard à joues aussi que j'ai pas du tout aimé, c'est Shiseido. Shiseido, c'est celui-là. Alors, la couleur déjà, mais c'est un espèce de... Comment on peut appeler ça? C'est pas du gras. Alors, déjà, le rose, il est moche. Hein. Oui, vraiment moche. Mais les vendeurs, quelquefois, franchement, ils sont pas tous au point, hein, franchement. Hein. Mais ça fait trop... J'aime pas du tout. Donc, en fard à joues, je vais mettre le melon. J'ai que celui-là. Melon Dollar Baby. C'est pas que je l'adore, mais je n'en ai pas à 36 000. Donc, il faut que j'en trouve un. Je ne veux pas qu'il soit brillant sur mes joues. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il ait des nacres, du glowy, parce que moi, j'aime pas ça. Donc, ils ont tendance tous à en avoir. Donc, ça va être encore le parcours du combattant. Donc là, je viens de laver à fond mes pinceaux. Donc, il va falloir quand même que j'en mette un petit peu plus pour que ça marque. Il est assez joli, celui-là. Il ne marque pas énormément. Mais il marque un peu quand même. Donc, avec... Je me fais un léger... Comment on peut dire? Mais juste léger, c'est juste pour donner bonne mine. Quand on est un peu bronzé, on est un peu plus terne. Voilà, juste ça. Ok, donc mon teint, il est fini. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Alors, c'est vrai que là, c'est Anastasia. Vous en avez plein dans cette formule. Vous en avez chez Benefit. Vous en avez dans des marques comme Kiko et tout ça. Vous en avez partout. C'est, vous voyez, moi je trouve très économique ce système-là. Et ça fait facilement les sourcils, vraiment. Alors, vous avez de l'autre côté une brosse, donc je les ai brossés. Là maintenant, je vais
Ah, c'est pas pratique sur mon bureau, là. Voilà. Donc, je tire. Moi, on dit qu'il ne faut pas tirer. Ben, moi, je tire pour remettre mes sourcils en place. Pas tirer, mais bon, quelquefois, les maquilleurs ne maquillent pas beaucoup de femmes de mon âge. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de tirer quand même. Là. Je me fais des sourcils très très naturels. Je vais rapprocher ma glace. Parce que d'avoir le bras dans le... Ah voilà, c'était pas pratique d'avoir le bras comme ça. Bon, moi je peux pars à Paris pour faire quelque chose pour le cancer du sein. Un enregistrement. Mais je ne peux pas aller voir Catherine de Coursac, le docteur Catherine de Coursac, parce que quoi? Parce que cette semaine-là, elle est absente. Donc, j'irai plus tard, je retourne à Paris, tout le mois d'octobre, je vais être sur les routes de France. Donc, j'espère vous voir très nombreuses dans certaines rues, les villes que je traverse, parce que je vais suivre... le parcours de l'ostéoporose. Nous sommes très nombreuses à en avoir. Moi, je n'en ai pas encore, mais on sait que c'est quand même un mal qui nous touche, nous les plus de 55 ans, et quelquefois plus tôt. Donc pour moi, c'est important aussi de m'investir dans des causes comme ça, et ça va me permettre aussi de vous retrouver dans certaines villes comme Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille. Et voilà, donc ça c'est fait. Je vous dirai tout ça très rapidement, là pour l'instant, mais ça sera sûr. Mais pour l'instant, on travaille effectivement dessus. Donc je vous dirai ça plus précisément. Donc mes sourcils sont faits et en plus ça tient très bien ces systèmes-là. Ça ne fait pas du poil à poil, sauf que ça fait quand même très très naturel. Ah, là, c'est pas du naturel du tout que j'ai fait, c'est de la bavouille. Bon, c'est correct. Maintenant, je vais faire mes lèvres parce que certaines de vous s'arrêteront là. Donc, le contour des lèvres de chez Yves Rocher. Pas cher et efficace. Alors justement, dans Pleine Vie, le magazine Pleine Vie, j'ai une double page, Les secrets de beauté de Nicole Tonnel. Alors c'est sympa, j'adore. Tous les mois, je réponds à vos questions, aux questions que vous me posez. Là, par exemple, il y en a une ce mois-ci, Pleine Vie, en vente à partir de lundi prochain, dans tous les kiosques, etc. Qui me disait comment éviter que mon rouge à lèvres ne file dans les rides, comment faire que le rouge à lèvres tienne le mieux possible. Donc voilà, je donnais quelques conseils. Il y a une question aussi sur les cils qui commencent à se clairsemer avec l'âge. Et pas toujours qu'avec l'âge, quelquefois c'est suite à un traitement, une maladie, etc. Il y a une question aussi sur des conseils pour avoir bonne mine à la rentrée. Et puis plein d'autres réponses à vos questions. Une double page consacrée à la beauté en anti-âge. Et ce sera tous les mois dans le magazine Pleine Vie. Donc voilà. Donc là, je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, souvent vous demandez, celui que je mets souvent, c'est le Radiant Corail de chez Estée Lauder. Alors, le numéro, puisque je l'ai là, c'est le 320. Alors là, 320, mais je vais le mélanger avec un beige que j'adore de chez Chanel, qui n'existe plus. C'est plus la peine que je vous donne le numéro. Parce que je l'ai cherché, 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 je ne l'ai pas. Bon, si vous le trouvez, il est en barre d'infos, il sera en barre d'infos sous le plus que vous déroulez. Si vous le trouvez, dites-le moi, parce que je le rachète, je l'aimais, comme beaucoup, il n'y a pas. Et je suis allée chez Beauty Success, et là, on a fait le tour du magasin, hein. Franchement, il n'y en avait pas.
Et en plus, j'en ai acheté un, mais franchement, de Shiseido. Il s'est cassé tout de suite. Et il est cher quand même. Et c'est pas du tout, du tout le même coloris. Pas du tout. Joli gradient, hein. Je pourrais le mettre tout seul, mais là j'avais envie. Le gradient, c'est un rouge à lèvres un peu mat. Et moi j'aime bien quand il y a un petit peu à satiner, mélangé, parce que ça donne plus de confort. Mais ça tient moins bien. Bon, comme c'est la rentrée, il va falloir penser, si vous travaillez, à reprendre votre rouge à lèvres dans votre sac, à ne pas l'oublier. Parce que quand on mange, évidemment, alors là, le rouge à lèvres, il n'y en a plus. Alors, dans les rouges à lèvres confort, vous pouvez avoir un rouge à lèvres hyper, hyper mat qui va tenir encore un peu. Mais voilà, en général, on en remet un petit peu. Et il ne faudra pas oublier votre poudre aussi si vous avez peau mixte ou grasse. Parce que après le repas, il y a un pic de remontée de sébum pour les peaux plus grasses et plus mixtes qui fait qu'on brille un petit peu. Et surtout après l'été, où il y a une petite recrudescence de sébum. Les peaux sèches sont contentes parce qu'elles, elles le recherchent. Voilà, bon ben donc ça c'est fait. À tout de suite, c'est beaucoup plus joli, hein. Et là, je prends un crayon, mon crayon cool, Kajal, de chez, c'est le brun 02 de chez Lancôme. C'est celui que je préfère depuis la nuit des temps. Donc là, faites pas forcément ça, hein. Si vous avez, moi j'ai des petits yeux aussi quand même, j'ai pas des très très grands yeux. Et je le mets là parce que c'est une question d'habitude. Je le fais depuis tout le temps. Et je me sens nue quand je ne le fais pas. Mais voilà, pour être sérieux, là, vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire le haut, juste sous vos cils. Vos cils sont clairsemés, et ben voilà, une bonne solution. Pour les paraître moins clairsemés. On fait pareil de l'autre côté. Et puis je vais faire un léger trait. Avec une toute petite pointe, moi qui ne remonte plus parce que ma paupière elle chute, mais elle descend jusque-là. Alors ne la faites pas descendre de trop, votre petite pointe. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait que mes yeux sont plus pétillants. C'est pas un grand maquillage, donc vous pouvez laisser ça et faire simplement vos cils. Tout de suite, ça vous donne de l'éclat à votre regard. Même mon œil, mon iris va paraître un petit peu plus clair. Alors c'est très joli sur n'importe quelle couleur de regard, que vous ayez les yeux bleus, que vous ayez les yeux verts. Alors les yeux noirs, il faudra prendre une autre couleur. Le marron, c'est pas ce qui va le mieux avec les yeux noirs. Mais vous pouvez prendre par exemple un prune pour les yeux noirs, faire un peu mes paupières parce que certaines de vous vont dire bah, on n'a pas assez, on n'a pas assez. Donc là, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je ne sais plus ce que c'est comme pinceau. En tout cas, ils sont tous propres. Ils sont souvent propres mes pinceaux, je les lave tous les jours. Ils sont très bien. C'est une petite marque. Je mets le lien en barre d'infos aussi. Et je vais prendre ma palette Anastasia, la Sultry. C'est certainement l'une de celles que j'ai le plus aimée, dont je me suis le plus servie. Et je pense que je peux la racheter. Je vais voir à la rentrée ce qu'il y a d'autre. Alors, je vais prendre celui-là, ce marron-là, qui est un marron, marron un peu, comment on peut dire? C'est le twing, un marron, quoi. Et je vais, est-ce que vous voyez? Non, je vais mettre ça
Le meilleur pour faire ça, c'est de vous mettre la tête en arrière. Plus vous avez la paupière tombante, plus vous allez remonter. Donc mettez bien votre tête en arrière. Moi, c'est pas tellement pratique parce que je filme, mais c'est mieux pour faire votre banane en quelque sorte. Voilà. Vous remontez, vous ne descendez pas. Si on descend, ça sera juste pour faire notre petit coin là. Mais ne descendez pas. Je vais prendre évidemment un footer. Là, je peux vous faire la tête parce que en l'air parce que vous n'allez pas voir ce que je fais. Et je floute. Allez, je vais mettre un petit peu de doré. Alors, du doré, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le doré qui est là, celui-là. Il s'appelle Stramania. Je ne vais pas souvent utiliser celui-là. Alors, je travaille un peu sur ma main avant parce que je ne veux pas en mettre de trop non plus. Et avec mon pinceau plat, au milieu, je vais faire travailler ça. Je reprends mon footer, non pas celui-là. Je vais reprendre. Oh, si je prends mon footer, j'en prendrai un autre pour l'autre œil. Je floute. Et j'amène, quand il y en a presque plus, au creux de mon cerne pour en mettre un peu. Avec un pinceau, petite, moi je dis eyeliner, mais c'est pour faire un petit peu. Je vais prendre un ton un petit peu plus foncé, un marron un tout petit peu plus foncé, mais très peu, juste pour accentuer. Voilà. Je vais flouter, mais alors vraiment flouter légèrement. Voilà. Et je vais prendre un coloris clair pour faire mon sous mon. Et là, j'en ai plus. J'ai été prendre la petite palette de chez Célodère avec un petit pinceau MAC, juste pour faire là. J'aime beaucoup celui-là. Il est nacré sans trop être nacré et il est très très joli. Donc là, je vais faire sous mon sourcil. Mais alors là, déjà, il y en a trop. Alors, comme il y en a trop, bah, tout simplement, je prends mon doigt et j'étale comme ça. Faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon. Là, c'est joli. Et donc, si je veux, je peux reprendre mon crayon et refaire ici, comme ça, pour celles qui aiment, mais ça ne tiendra pas longtemps et ça va marquer un petit peu. Donc, ce qui est le mieux, c'est de reprendre son petit pinceau liner, reprendre un marron. Donc un marron pas trop foncé. Donc moi je reprends le marron, le premier, le swing. Là, voilà, je vous le mets là. Je travaille sur ma main et je regarde en l'air. Voilà, ça tiendra mieux. Et si je veux vraiment sortir un soir, me faire un star. Je vais reprendre avec ce même pinceau un petit peu de doré. Je vais aussi le travailler sur ma main. Et alors là. Ouh là là, là ça va être dur. Voilà. Juste, juste au milieu. Juste là. Au milieu. Et
il me reste plus qu'à faire mes cils. Alors les cils, je prends celui-ci que je vais terminer, c'était le der. La brosse est très fine, mais ce n'est pas non plus mon préféré. Parce qu'il y a des petites fibres. Et je n'aime pas les petites fibres. Donc voilà, je vais quand même le prendre. Je vais faire... Voilà. Alors avec des toutes petites brosses comme ça, c'est vrai qu'on peut aller dans les endroits les plus cachés de nos cils. Mais non, vous savez que mon préféré c'est toujours le même. Hein. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé d'autres qui me plaisent autant que celui de Lancôme. Alors celui-là, il commence à être de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de produits. Quand il y a trop de produits, c'est pas facile. Voilà. Je n'en mets pas en dessous. Non, parce que tout de suite, ça va dégorger et me faire des cernes. Bon, bah écoutez, je fais l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà. Voilà le maquillage que j'avais envie de réaliser pour vous et pour moi aujourd'hui. Je porte des boucles d'oreilles kaki de chez Plein 30 que je trouve très très jolies, que j'aime beaucoup et qui vont très bien en plus avec ma tenue. Et voilà. Donc ça peut être un maquillage du soir pour certaines, ça peut être un maquillage pour le jour pour celles qui comme moi aiment bien le maquillage. Et puis vous savez bien que vous pouvez avec moi vous arrêter par étapes, donc en faire un petit peu moins. Moi j'aime bien, ça donne bonne mine, tout de suite ça réveille. J'aime bien aussi ce qu'elle m'a fait, le ou je ne sais pas, les vagues quoi. Mais c'est sympa aussi. Oh, voilà, une tête de rentrée quoi. Voilà, je rentre. Je vous souhaite un très très bon week-end. Il ne fait pas beau ce week-end, c'est prévu. Pas grave, nous allons retrouver le soleil, ne vous inquiétez pas. Et puis, nous sommes de nouveau ensemble. Donc, 1000 bisous. Prenez bien soin de vous. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Bonne rentrée à toutes et à tous, petits comme les grands. Et soyez quand même vigilants.